It's so empty here without the children. I wish I could have gone on that field trip with them. Oh, it's you. I'm glad you're here. Victoria's sick. One minute she's fine, and the next she's hardly breathing, and the doctors can't find anything wrong with her. A necklace. A necklace? Well, it's on the dresser. She broke the latch, but I fixed it. Has anyone been asking about her? No. They're here. I've got to move Victoria fast. Where's the safest place in the building? Oh, the basement. Get down there quickly. I'll meet you there with Victoria. Yes, of course. Oh, heaven be praised. Oh. Come. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Let's Play de Hitman Absolution, épisode 10. Tu sais qui c'est? I was so scared. Bon. Alors, en gros, précédent épisode, je vous l'explique très très brièvement ce qui s'est passé, pardon. Est-ce qu'on peut la mettre là-dessus? Ce serait pas mal, genre on pose là-dedans, on pousse. Ce qui s'est passé très brièvement, c'est tout simplement que notre informateur s'est fait capturer. Donc on est à... Ah, je vais faire gaffe quand même, parce que là, j'ai pas vraiment de possibilité. Don't worry. I promised Diana to keep you safe. Donc de base en fait, nous avions caché la petite dans chez les bonnes sœurs en fait, voilà, et l'informateur a craché le morceau parce qu'il a dû se faire torturer d'une manière mais qu'on n'imagine même pas quoi. Donc du coup il a craché le truc et là, j'imagine que ça va s'ouvrir. Et j'ai encore mon bug pourri. What's that noise? Shh. Don't make a sound. No, it's just... I mean, God, whatever happened to duct tape? That's Wade for you. The guy likes this carnage. Impeccable. On est passé, les amis. Hop, voilà. Donc du coup, les gens qui veulent récupérer donc l'agence ainsi que tout autre service qui veulent récupérer la gamine, du coup, sont présents dans le bâtiment et nous devons clairement sécuriser la petite. Et bonjour. I need to get the power back on. Sister Mary is waiting in the basement. I will meet you both there. À mon avis, ça commence à être vraiment mal barré. Arme visible. Alors, je vois mon bug là avec la croix. Je sais pas pourquoi j'ai ce bug d'ailleurs. Voilà. Hop, hop, hop. Impeccable. Oh, la bonne sœur, elle a souffert. Est-ce qu'il y a un autre accès? Pas des masses, hein. Bon, ok. Un livre, super. Je vais aller loin avec ça, moi. Alors, on est donc à l'orphelina. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Chez les bonnes sœurs, hein, pour moi c'est l'orphelina. Donc, hop, des fusibles, impeccable. Et il y en a plusieurs. Ouh! Ok.
putain. Oh là là, c'était vraiment chaud pour moi là. C'était vraiment très très chaud. Alors, bon, je parle pas beaucoup, je suis désolé. J'ai remarqué que j'ai regardé le niveau de l'audio et j'ai pas parlé depuis à peu près 30 secondes. Bah ouais, les gens, je suis désolé, je suis très concentré pour pas me faire choper avec le sonar. Ils sont pas contents là. Il va sortir lui. Il va sortir. Bon. Voilà. Tu l'as franchi ta porte ou... Allez. Ok. Hop, on va prendre ça, c'est peut-être un peu plus efficace. En même temps, à chaque fois, je prends des trucs, mais je m'en sers absolument pas. Hop. Oh, shit, there is so much here, man. We'd be fucking rich. Yeah. Ok. Victoria? Is shit can treat that? Well, I don't know. Sounds fancy. I bet if you're popping up, you're flying like a rocket. Yeah. Alors, on va essayer de retourner par le même chemin. Ça me semble assez intelligent. Merde. Ah, merde. J'ai pas pensé à ça. Ah là 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 là. Bon, du coup, on va essayer de les contourner intelligemment. Le mieux serait que je me déguise quand même, mais le seul souci, encore une fois, c'est le moment. J'ai pas le choix, faut que je le maîtrise. Allez, je te brise le cou, j'ai pas le temps. Je me déguise comme toi. Je vais peut-être traîner le corps parce que c'est un petit peu limite. Hop. Et du coup, j'ai quoi comme flingue? Non, 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 ça vaut pas le coup là, clairement pas. On va passer par le conduit d'aération. Pour retourner à notre ascenseur. Putain, j'ai eu peur, il y avait une statue. Hey, hunchback. Oh putain, le pub qui est là-dedans, bordel, je suis rentré dans un truc bizarre. Wouah. Allez, où la sortie? J'étais rentré par où, les gars? Oh putain de merde. Dans quel bordel je me suis pas branlé. Bon. L'ascenseur est par là. Hein. En même temps, je me planque. Je suis con, j'ai pas pensé. Oh là là. Donc on va remonter. Impeccable. Je peux y aller un petit peu en mode
En mode, je suis un bourrin, Pawa. Hop. Ah, tu m'as pas vu, copain. T'inquiète. Les masques, son code barre, c'est énorme. C'était par où? Entre une seringue. Ah ouais, je trouve ça plus drôle. Dans l'esprit, c'est fun. Ça, j'ai rien à y prendre. Et le fusible, j'espère que c'est le dernier. Ok. Alors, rétablir le courant. Alors, je crois que c'est en dessous, hein, pour le coup. Il est où, Stop Joe? Alors, tant que j'aurai de l'instinct, il ne peut rien m'arriver en théorie. Je précise bien, en théorie. Hop. Alors, où est-ce que je dois mettre ces foutus fusibles? Je serais tenté de dire, oh là là, faut que j'en descende. Mais il veut pas que j'en descende, ce con. Ah, fait yesh. Et le courant, il se rétablit en dessous, j'imagine, à l'étage du dessous. Sinon, ce serait absolument pas drôle. Hop, voilà, ça sent les compteurs électriques par ici. Le courant est remis. Impeccable. Ah merde. Come on, what's the matter with you, Allegra? When you fight back, come on, fight back, girl, fight back. Hey, Wade, I want to be in charge too. Papa's little boy, you've been waving that little thing around all day, haven't you? Shut up, Wade. Oh. Pétez un plomb, le gars, quoi. Oh. You think you're a tough guy, Lenny? Hmm? Tough guy? Stop it. Come on, man. You tough guy? Come on. Come on, you tough guy. Comment il se fout de sa gueule. Okay, I show you. Shut up, bitch. Oh, or I'll put a cap in your ass. Look out, everybody. We better make room for Limp Dick Lenny. Come on. You know what, Wade? Just... Oh, fuck. Oh, le gars. Oh, I got blood on my hand, Wade. Y'all see that? This is like pop like a watermelon. Lenny! I'll tell you what, Lenny. We better let the grown-ups clean up this. Mm-mm. You boys keep watch, huh? Nice job, Lenny. Nice job. Ouais. Bon, du coup, on va faire sauver la gamine. Okay. On va récupérer la bouteille. Là, j'ai rien à craindre. Non, non, non. On y va tranquille, les amis. J'ai peur de rien. Mec, dit-il en s'arrêtant de parler. J'ai peur de rien. Alors, chauffage central. Hop, on fait le tour, au cas où il y aurait peut-être un item à récup. Un truc à saboter peut-être, on sait jamais, hein, savez-vous. Hop, on sera peut-être un peu plus tranquille par là. Voilà.
Alors, il y a des choses à faire par ici. On va descendre ici, hein. On va pas se prendre la tête. Et on avance pépère, avec l'instinct. Hey, didn't they do a three-way back in the 90s? Yeah, hey there. Donc on va aller par ici, direction l'objectif. Mais non, mais... Ah, le script de merde, quoi. Bon. Je crois que j'ai pas le choix. C'est ouf, ça, parce que j'étais en mode over-discret, quoi. Là, ça veut dire, en gros, tu passes par là. Il est où, Glandalf ? Il est là avec ses copines. Moi je suis pas repéré techniquement en fait. Donc je vais passer à un autre endroit, j'imagine. Il y a toujours moyen de tourner la vanne. Il va trouver peut-être le truc à côté de moi. Que je passe un... par un endroit, je sais pas. Ah voilà. Mec. Gamine. Ça serait drôle que ça le brûle. Voilà. Stop struggling, you little bitch! Yo, Wayne! Who's Olympic now, you cocksucker? Dans le mec, j'ai envie de l'appeler Bob. Make fun of me, I'll teach you a thing or two. I hope you die real hard and real long, you fucking motherfucker! And you, Baldy! Don't you fucking move. Le mode, il est, le mec, il est en mode exécution, quoi, ça y est, c'est what I'm saying. Wait, this is what happens when you fuck with Lenny. Don't you fuck with Lenny anymore. Hope, South Dakota. You're a long way from home. I got wood, man. Why do I have wood? Oh, le mec bizarre. Ouais, est-ce qu'il est mort? Bon les amis, fin de cette mission et nous arrivons également au terme de cette vidéo. Ça fait à peu près 20 minutes que nous sommes ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et puis je vous dis à très vite pour le prochain, avec grand plaisir, croyez-moi. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, YouTube, Twitter et on est également sur inrealgame.fr. Voilà, bah, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à commenter, à balancer des petits pouces verts hein, si ça vous fait plaisir et puis je vous dis à bientôt. Ciao.